Aujourd'hui, un enfant sur trois ne part pas en vacances. La 66e campagne de solidarité et de citoyenneté de la jeunesse au plein air vient de commencer. Tous les établissements scolaires du département participent à une vente de vignettes qui permettra à des enfants défavorisés de partir en vacances. Un bel exemple de solidarité. Nous, on a été heureux, on veut faire partager notre bonheur. Et si jamais on veut leur donner la possibilité d'être heureux comme nous, on l'est aujourd'hui. Les gens, ils aident moins les personnes, par exemple, à traverser la rue ou laisser les personnes âgées s'asseoir dans les bus, des choses comme ça. Cette campagne permet aux élèves de notamment prendre conscience des inégalités économiques, sociales et culturelles. Quand on est au collège, un des premiers devoirs que demandent les maîtresses, c'est racontez-nous vos souvenirs de vacances. Vous n'imaginez pas la détresse d'un petit bonhomme qui est resté toutes les grandes vacances enfermé dans un HLM. L'an dernier, 11 000 euros ont pu être récoltés. Ce sont 500 élèves qui ont pu partir en vacances.